d'opposition qui vient de se former qui s'appelle Manco Tahaou Sénégal, en réalité ce qui signifie s'unir au chevet du Sénégal. Je ne pense pas vraiment que c'est une coalition dont l'objet est d'être au chevet du Sénégal. Parce que ce qui s'occupe vraiment du Sénégal, c'est ce qui travaille sur les politiques publiques et qui essaie de faire avancer ce pays dans différents domaines, qui avec le PUDC réalise des routes, réalise des pistes, font des forages, font la même chose avec la couverture maladie universelle et avec d'autres politiques publiques. Il me semble que l'objet de cette coalition d'opposition, c'est juste pour chaque parti membre de cette coalition d'éviter de disparaître. Parce qu'en réalité, posons la question autrement. Qu'est-ce qui serait arrivé si ces partis ne s'étaient pas liés, s'ils n'étaient pas en coalition? Et s'ils étaient allés aux élections de manière séparée, mais chacun d'entre eux aurait disparu. Parce qu'en fait, la coalition Manco, cette coalition Manco, c'est une addition de faiblesses. Première faiblesse, le Parti démocratique sénégalais, parti historique, créé en 1974, qui prend le pouvoir en 2000, qui le perd en 2012. Aujourd'hui, il est désintégré. Ses principaux leaders sont partis, chacun a créé son parti, sous les mains de Ndiaye, Modou Diagne Fadda, Aïda Mbodj, son mouvement. Même les plus fidèles, des fidèles, que sont Farba Senghor et Papsa Mamouk, ont créé le parti ou le mouvement aujourd'hui. Et celui qui dirige l'organisation, c'est quelqu'un qui n'a pas l'envergure nécessaire pour diriger une formation politique, c'est Omar Sarr. Et ce parti est obligé de faire appel à son vieux leader de 93 ans pour continuer à exister. Donc faiblesse très forte. Deuxième faiblesse, Idrissa Seck. Un leader qui avait une dimension nationale en 2007, qui était quand même deuxième, qui après, aux dernières élections locales, se retrouve avec une dimension départementale. Il ne gagne que dans le département de Thiès. Au référendum, sa dimension se réduit à une dimension communale. Il dit, en tout cas, j'ai gagné dans la ville de Thiès. Faiblesse très forte. Leader très discrédité qui lui aussi s'accroche à ça pour exister. Pape Diop, qui se présente aux élections locales dans la commune de Gueltape Fass Koloban, qui n'est ni premier ni deuxième. Vous ne pouvez être ni premier ni deuxième dans une petite commune de Dakar et vous voulez donner une ambition nationale. Donc, Khalifa Sall, Malick Gakou, qui lui aussi se donne une dimension nationale et qui au référendum a pour seule phrase choc à la fin de au soir des élections, en tout cas j'ai gagné dans mon bureau de vote. Donc voilà un leader qui se donnait une dimension nationale et dont la dimension se réduit finalement à un bureau de vote. Khalifa Sall, un maire qui, à Dakar, quand même, a une certaine représentativité. On peut même dire qu'il est populaire. Je crois qu'il faut être objectif dans les analyses. Il est même populaire. Mais qui s'est empêtré dans des affaires sordides, il faut le dire. Parce que quand même, quand quelqu'un se retrouve dans une situation où il détourne 1 million de francs par jour, 30 millions de francs de commandes de mille et de riz, et au bout de compte, on se rend compte qu'il n'y a pas de commandes, c'est du faux. Il est emprisonné pour cette raison. Évidemment, l'opposition fait de la communication autour de ça pour essayer de se victimiser. Mais la réalité, c'est que Khalifa Sall n'existe que dans les limites de Dakar ou peut-être avec une petite projection à Tiwaoul avec les Moussa Chitina. Mais au-delà de ça, il n'y a rien. Donc ça veut dire qu'en fait, c'est une opposition dans laquelle il n'y a pas de consistance. En réalité. Vous les minimisez? Je ne la minimise pas, mais je fais une analyse objective qui me montre que c'est une addition de faiblesse. Donc l'objet en réalité, ce n'est pas d'être au chevet du Sénégal, ce ne doit pas disparaître. Voilà en fait la grande question de cette opposition. Ce sont des partis qui se retrouvent pour ne pas disparaître. Évidemment, en s'unissant, ils ne disparaîtront pas. Parce qu'ils vont être, je ne dirais pas plus forts, mais moins faibles. Et ils vont s'attaquer à un certain nombre de départements en essayant d'engager le combat. À Dakar, par exemple, il y aura un véritable combat. Je pense que nous allons gagner à Dakar, mais ça va être difficile. Je pense que nous allons gagner... Sur quoi vous misez pour dire que vous allez gagner? D'abord sur notre bilan. Sur notre bilan. C'est vrai que le bilan du président Macky Sall, il est, disons, beaucoup plus visible dans les campagnes que dans les villes. Justement, c'est ce que j'ai dit. Moi, je vais dans les campagnes, je vois des pistes, je vois des forages, etc. Mais Macky Sall a raison, parce qu'il est en train de résorber un déficit. Et le déficit, c'est d'abord là. Je vous dis, c'est là où, par exemple, dans la région de Seyou, il y avait un nombre très réduit de sages-femmes, où Macky Sall a doublé, triplé ou même quadruplé le nombre de sages-femmes. Il ne quadruple pas le nombre de sages-femmes à Pékin. Le contexte actuel, avec le renchérissement du coût de la vie, aussi les problèmes politiques même au sein de la paix ou au sein de votre coalition. Le renchérissement du coût de la vie, c'est relatif. Nous avons réussi quand même à bloquer les prix des denrées de première nécessité. Pas de toutes les denrées, mais je parle de première nécessité.
une chose. Mais c'est vrai qu'il y a eu un renchérissement, c'est normal. Mais il y a quand même que certaines grandes décisions ont été prises et qui sont relatives au pouvoir d'achat. 10% de réduction sur la facture d'électricité, mais ça ne s'est jamais fait depuis l'indépendance. Depuis l'indépendance, ce que nous connaissons dans ce pays, c'est des hausses du prix de l'électricité tous les 5 ans, tous les 4 ans, tous les 10 ans. Mais pour la première fois, un président dit « je procède à une hausse, à une baisse importante du prix de l'électricité et je le place dans un processus pour dire qu'il est possible que dans quelques années on se retrouve dans ça ». Et beaucoup de réalisations ont été faites sur lesquelles nous allons insister, que nous allons rappeler aux populations ou sur lesquelles nous allons travailler. Mais nous allons également poser la question aux populations de savoir au fond qu'est-ce que cette opposition offre. Son seul objectif, c'est de dire nous voulons cohabiter. Mais cohabiter autour de quoi? Ils disent qu'ils ont une plateforme. J'ai lu la plateforme dans le secteur qui m'intéresse, celui de la santé. Je vois mettre en œuvre de nouvelles politiques sectorielles dans la santé, dans l'éducation, dans l'hydraulique. Nouvelles politiques sectorielles. C'est ça un bilan. C'est juste dire on va changer et mettre en place quelque chose d'autre. Mais il faut qu'on dise qu'est-ce qu'ils veulent faire de la couverture maladie universelle. Qu'est-ce qu'ils veulent faire du programme d'équipement sanitaire que nous sommes en train de mettre en œuvre. Qu'est-ce qu'ils veulent faire, par exemple, de notre politique de réalisation d'unités de dialyse sur l'ensemble du territoire. Quand on parle de la santé, on dit ça. Qu'est-ce qu'ils veulent faire pour la formation des spécialistes. Voilà les questions. Mais en réalité, cette opposition, le programme ne l'intéresse pas. Je lui dis, ce qui l'intéresse, c'est de survivre. Ce qui l'intéresse, ce n'est pas de gagner. Elle sait qu'elle ne peut pas gagner. Mais elle essaie d'avoir le score le plus honorable possible. Bon, ça, c'est quand même normal. C'est une opposition qui est dans son rôle, qui a pour mission de harceler le pouvoir. Et il s'agit pour nous, justement, de bien nous défendre et de bien jouer notre rôle. Mais moi, je considère qu'à Dakar, si nous nous mobilisons bien, si nous faisons bien le travail, nous allons gagner. N'oublions pas que sur les 19 maires qui sont dans la ville de Dakar,